Oh hello guys and girls. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les pinceaux que j'utilise pour de vrai au quotidien. Parce que des pinceaux, j'en ai 5 millions. J'en ai enlevé 2 millions récemment. J'ai fait un gros tri, mais il m'en reste quand même 2 millions. Et je les utilise jamais. En fait, il y en a 7. Les seuls que j'utilise tous les jours, c'est ceux-là. Et du coup, certains, je les ai en double. Alors, dans les 2 millions, il y en a aussi plein que j'avais en double. Parce qu'il y a eu un moment quand même, déjà au début de mon blog, bon, bah, quand j'ai découvert le maquillage, enfin les pinceaux et tout ça, j'étais complètement hystérique, j'en ai acheté des millions. Je voulais tous les essayer, je voulais tous les avoir. Quand il y avait une nouvelle marque qui sortait des pinceaux, je voulais les essayer aussi. Donc, je consommais énormément de pinceaux. En plus, à un moment, j'ai donné des leçons de maquillage. Et du coup, quand j'en avais parfois plusieurs dans la même journée, j'avais pas le temps de laver les pinceaux vraiment soigneusement au savon et à l'eau entre deux, et du coup j'avais plein de jeux de pinceaux pour pouvoir changer selon avec la personne suivante. Donc j'en avais beaucoup trop, pardon, j'en ai toujours beaucoup trop, il y en a plein dont j'ai pas réussi à me débarrasser, parce que j'étais là, non je peux pas, le 217 de MAC, ok j'en ai 4, et ben j'en donne 2, mais il y en a 2 que je garde, parce que, puis je les avais achetés en plus tous ces pinceaux, ça coûte vachement cher quoi, enfin à l'époque les pinceaux coûtaient très cher, aujourd'hui il y a plein d'alternatives beaucoup moins chères. Il y a 15 ans, c'était autre chose, quoi. Sauf qu'en réalité, il y en a 7 que j'utilise, dont 4 pour les yeux, donc 4 que j'utilise pas. Enfin, que j'utilise pas. Quand je me maquille les yeux, c'est avec ces 4-là. Je me maquille et rien d'autre, parce que c'est ce qu'ont le toucher le plus agréable pour moi, et la manière de poser les fards, etc., la plus agréable. Mais en vrai, au quotidien, j'en utilise 3. Donc, enfin, quand je me maquille pas les yeux, ce qui est le plus souvent, vous voyez, là j'ai pas les yeux maquillés, j'en utilise 3. Donc le premier, c'est le pinceau à... j'utilise pas du tout de Beauty Blender, j'ai horreur de ça. Déjà, ça boit la moitié du produit, donc c'est ultra chiant. Faut les nettoyer à chaque fois après, c'est ultra chiant. Il faut tapoter pendant 5 ans comme ça, mais moi j'ai pas la patience du tout. Donc moi, ce que j'aime, c'est les pinceaux type Kabuki, très dense. Soit plat, celui-là c'est mon préféré, il y en a d'autres que j'aime énormément aussi, que j'utilise à l'occasion, parce que celui-là j'en ai 2, quand les 2 sont sales, mais c'est rare, parce qu'en général j'alterne, voilà, j'en ai un propre et un qui est en train de sécher, mais j'aime ce type de pinceau, j'aime pas du tout les pinceaux à fond de teint plat, je trouve que ça fait des stries systématiquement, on peut pas buffer comme ça, vous voyez, on peut pas... buffer, ça veut dire gommer en anglais, donc je sais pas comment ça se traduit vraiment, mais vous voyez, estomper de façon un peu sur place comme ça, on est obligé de faire des avec les pinceaux plats, vraiment j'aime pas du tout ça. Les maquilleurs en utilisent beaucoup, des pinceaux plats, hein. Il y a aussi des maquilleurs qui aiment les Beauty Blender, mais c'est assez rare. Donc voilà, donc moi mon préféré c'est le Full Coverage Face de Bobbi Brown, qui en plus est hyper pratique si jamais vous vous déplacez, bon, ce qui n'arrive plus de nos jours, hein, mais il est tout petit. Il est hyper compact, il a juste la bonne densité, il marche avec tous les fonds de teint. Parce que les pinceaux de ce genre, il y en a qui marchent plus ou moins avec certains fonds de teint, selon que le fond de teint est plus ou moins liquide, plus ou moins épais, plus ou moins, vous voyez, plus ou moins fluide, plus ou moins, par exemple, un fond de teint stick. Ça, par exemple, avec le bébé crayon, il est parfait. C'est le mariage parfait, les deux. Et avec tous mes fonds de teint liquides, ils fonctionnent aussi super bien. Donc moi, je mets du fond de teint, j'en mets des touches sur mon visage, et ensuite, j'étale avec ça, toc, 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 toc. Et ça va hyper vite, et ça fait un joli rendu, et il est parfait ce truc, il est parfait. Je vous dis, j'en ai 2, j'alterne tout le temps, je les lave, je les utilise 3 jours et puis je les lave. Je les lave pas à chaque fois quand même, mais je les utilise 3 jours et puis je les lave, et vraiment c'est mon préféré quoi. Après je vous dis, il y en a plein d'autres qui ressemblent, c'est facile à trouver, mais là, celui-là, pour moi, c'est vraiment une question de longueur de poil et de densité, ce qui change pour chaque personne, et celui-là, il est parfait pour moi. Pour l'anti-cerne, j'utilise jamais autre chose que mes doigts, parce que je trouve que rien ne fonctionne. Le Beauty Blender fonctionne très bien pour l'anti-cerne, si ce n'est que comme il contient de l'eau, parce qu'on utilise un Beauty Blender mouillé, ou n'importe quelle éponge, quoi. Enfin, il y a des éponges qui ne s'utilisent pas mouillées, mais mettons le Beauty Blender, comme il y a de l'eau, bah, moi, je trouve que ça assèche un peu la peau, et du coup, ça rend l'anti-cerne plus sec. Sans compter que ça en boit la moitié, et moi j'ai pas envie que la moitié de mes produits aille dans mon éponge au lieu d'aller sur ma peau, et du coup descendre 2 fois plus vite, ça m'intéresse pas. Mais ça fait un très beau rendu. Là je reconnais, sur l'anti-cerne, mais sur le fond de teint aussi d'ailleurs, le Beauty Blender fait un très beau rendu, c'est juste que je veux pas que tout mon produit passe dedans et que j'ai pas la patience. Sur l'anti-cerne c'est pas une question de patience parce que ça va très vite, mais ça boit tout le produit, et puis il faut le laver à chaque fois, enfin c'est ultra chiant à utiliser, j'aime pas du tout.
Et au pinceau, j'ai jamais trouvé un pinceau qui fasse un rendu satisfaisant sur l'anticerne. Il y a toujours des traits, il y a toujours des stries dedans. Les poils du pinceau font des stries, à moins de tapoter. Donc, d'utiliser le pinceau comme un beauty blender en réalité, je ne vois pas l'intérêt. Il faut le laver après, c'est pas pratique. Moi, je trouve que le doigt, c'est ce qu'il y a de mieux. Je fais ça avec mes index, je mets l'anticerne dessus comme ça, et je tapote, tac, 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 jusqu'à avoir le niveau de couvrance désiré. Si j'en ai trop mis, je prends un doigt propre et je continue comme ça. Et je trouve ça absolument parfait. Ça, quelque part, ça, j'allais dire, ça enfonce la matière dans la peau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pose la matière sans faire de stries, tout en le permettant de sécher en même temps. Enfin, mais pas trop, parce qu'il y a quand même la chaleur des doigts. Enfin, je trouve ça absolument parfait. Donc, j'utilise pas aucun pinceau anti-cerne, jamais, ou même pas anti-cerne, parce qu'il y a des gens qui utilisent des pinceaux type estompeur paupières pour l'anti-cerne, ce genre de choses. Moi, je trouve que ça marche pas du tout. Enfin, il faut toujours repasser au doigt. Ça marche, mais ça marche pour déposer la matière, en fait, mais il faut toujours repasser au doigt après. Alors, c'est vrai que si on est super, super maladroit et qu'on n'arrive pas à déposer la matière au bon endroit, on peut la déposer au pinceau et ensuite tapoter au doigt, mais enfin, je vois pas l'intérêt de salir un pinceau pour ça. Parce que moi, laver mes pinceaux, ça m'ennuie beaucoup, donc j'essaie de minimiser le nombre de pinceaux utilisés. Pour la poudre, j'en ai... C'est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est le seul que j'aime vraiment. Autant pour le fond de teint, j'en ai plusieurs que j'aime vraiment beaucoup. Celui que je vous ai montré, c'est mon préféré. Pour la poudre, il n'y a que celui-là que j'adore vraiment. Qui a un pinceau plat, Make Up For Ever. C'est le numéro 128. Qui fait partie d'une collection que Make Up For Ever a sortie il y a quelques années, enfin il y a un certain temps maintenant, quand ils ont renouvelé complètement tous leurs pinceaux et qu'ils ont tout passé en synthétique. Donc ça aussi c'est du synthétique, hein, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais bien sûr c'est du synthétique. Pour les matières crèmes en général, c'est du synthétique. Ça c'est du synthétique, mais je vous jure, c'est la chose la plus douce que vous avez jamais touchée. Et moi j'aime poser ma poudre comme ça. Vous voyez, je la balaye pas, parce que j'aime la... pour pas que ça déplace la matière qui est en dessous, et puis moi j'en utilise beaucoup, vous savez que j'utilise ma poudre By Terry, j'en mets beaucoup, c'est un peu comme du baking en fait, j'en mets beaucoup, puis après ça je balaye un peu. Et ce pinceau-là est parfaitement adapté à cet usage. Il marche aussi hyper bien sur les poudres compactes. Mais je l'adore totalement. Je ne sais pas pourquoi j'en ai qu'un. Parce que du coup, quand je le lave, je suis obligée d'en utiliser un autre. Parce que dans mes 2 millions, j'en ai gardé d'autres. Mais aucun autre n'est aussi bien. Celui-là, et en plus, et il est très dense. Il y a ça aussi qui joue. Souvent, les pinceaux à poudre, c'est un peu trop large. Et du coup, ça ne prend pas la quantité voulue. Ça en met partout. Il y a de la poudre qui vole et tout. Alors que celui-là, il est vachement dense. Regardez. Vous voyez ? Et du coup, la poudre reste bien entre les poils, elle ne bouge pas, et on peut en déposer pas mal sur la peau, ce que moi je fais. Après, je balaye s'il y a de l'excédent, mais j'utilise pas mal de poudre. Donc celui-là, vraiment, mais je l'adore. Alors, je ne le lave pas du tout aussi souvent que le pinceau à fond de teint. De toute façon, d'une manière générale, on peut laver les pinceaux avec lesquels on utilise de la poudre moins souvent. Pour le visage, en tout cas, pour les yeux, c'est bien de les laver assez souvent. Après, moi, je les essuie dans un gant de toilette sec, vous voyez, en frottant assez fort, et ça enlève le pigment, si vous voulez. Et comme c'est de là, il n'y a pas de gras dedans, enfin, il y a les huiles de la peau qui se sont un peu déposées dessus, mais il y en a beaucoup moins que là-dedans. Un pinceau avec lequel on utilise des produits liquides ou crémeux doit être nettoyé beaucoup plus souvent, parce que ça s'empile dedans et ça devient tout pâteux, quoi, un peu. Celui-là, je le lave une fois par semaine. Et donc une fois par semaine, je suis obligée d'en utiliser un autre pendant qu'il sèche. Et je trouve ça nul. Les autres ne sont pas du tout... aucun ne vaut celui-là. Vraiment aucun ne vaut celui-là. J'en profite pour dire comment je nettoie mes pinceaux. Je les nettoie avec l'huile démaquillante au charbon de Herborian, qui est beaucoup trop costaud pour mon visage, parce que c'est fait pour les peaux plutôt grasses, mais qui pour nettoyer les pinceaux est génial. Et ensuite, je les essore dans une serviette, et je les fais sécher au bord d'un meuble. Comment vous montrer ça? Il faut que j'ai un truc qui fasse office de meuble. On va dire que ça fait office de meuble. Je les fais sécher au bord d'un meuble, comme ça, avec les poils à l'extérieur. Vous voyez? Comme ça, les poils... Enfin, voilà. Comme ça, ils sont à plat. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils sèchent comme ça. Pas qu'ils sèchent dans ce sens-là, parce que sinon l'eau qui est à l'intérieur des poils coule dans la virole, ici. Et ça peut décoller, parce que les poils sont collés à l'intérieur de la virole, donc ça peut les décoller. Il ne faut pas non plus évidemment les faire sécher comme ça, sinon ça les écrase. Mais donc il faut les faire sécher à plat. Et moi je les fais sécher au bord d'un meuble pour que l'air circule. Et donc ils sèchent beaucoup plus vite que s'ils étaient posés sur une serviette, vous voyez. Dans mon esprit, ça évite qu'ils
tu voyais, pas que ça moisisse, parce que ça va pas moisir en 12 heures le temps de séchage, mais c'est à peu près 12 heures, ouais, le temps de séchage. Mais j'aime bien l'idée que l'air circule et du coup qu'il sèche bien et rapidement, quoi. Donc c'est comme ça que je fais. Donc voilà pour la poudre, irremplaçable, mon préféré total. Pour le blush, bah c'est pareil en fait. J'utilise tout le temps le même, et là pour le coup j'en ai deux, donc quand j'en lave un, j'en ai un autre. C'est le Stippling Brush de Real Techniques, qui est donc un pinceau qui a été créé pour poser le fond de teint, en tapotant comme ça. Donc moi je ne pose pas mon fond de teint en tapotant, hein, ça m'énerve, je balaye et je frotte. Mais pour le blush, en fait j'ai commencé à l'utiliser avec mes blushs crème, parce que pour le blush crème il est génial, parce que c'est un pinceau qui est fait pour des produits crème. Les pinceaux duo fibres comme ça, très courts et très denses, ils sont faits pour appliquer des produits crème. Donc pour le blush crème, il est génial. Je porte beaucoup moins de blush crème maintenant, surtout qu'avec le masque, il vaut mieux mettre des poudres, hein, pour que ça reste. Mais pour la poudre, c'est pareil, il est génial. Moi, je tape dans le produit, dans la matière, et ensuite, je tape sur mes joues, tac, 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 tac. Éventuellement, je balaye un peu si c'est nécessaire, et je le trouve, mais vraiment, mais parfait. Il n'y en a aucun autre que j'aime autant pour poser mon blush. Donc... les pinceaux à blush traditionnels, vous voyez, qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus aérés, beaucoup plus doux souvent. Je sais pas, c'est pas pareil. Moi, je suis vraiment habituée au geste avec celui-là. Il y a vraiment une question d'habitude aussi. Moi, je suis hyper habituée au geste avec celui-là. Je le trouve mais parfait pour le blush. Et en plus, vous pouvez faire crème et poudre avec. Il va avec les deux matières et ça, c'est vachement pratique. Et ensuite, donc, quand je me maquille les yeux, ce qui n'arrive pas très souvent, j'ai 4 pinceaux. 3 Marc Jacobs. Et un petit pinceau biseauté Zoeva. Donc les 3 Marc Jacobs, en fait c'est les seuls 3 pinceaux à paupières Marc Jacobs qui existent. Ils sont géniaux. Ils sont absolument géniaux, c'est du synthétique aussi. De toute façon j'ai que des pinceaux synthétiques là. Autant dans mes pinceaux MAC, dans tous les pinceaux MAC que j'ai gardés, le 219, le 217, tout ça c'est du poil naturel, c'est de la chèvre. Tout ça c'est des pinceaux synthétiques. Et y en a 3 hein, chez Marc Jacobs qui portent des noms tout simples. Celui-là, il s'appelle The Shadow, c'est un pinceau plat rond, qui ressemble beaucoup au 219 de chez MAC, qui est parfait pour poser, appliquer le fard à paupières en aplat sur la paupière, mobile ou sur toute la paupière si on a envie, soit en faisant des mouvements comme ça, soit en posant comme ça, parce que les poils sont denses, il retient bien les pigments dedans, si on a envie d'estomper avec, on peut, hein, c'est pas du tout interdit. Il se trouve que j'en ai un autre pour estomper qui fait encore mieux le job, donc je l'utilise, mais on pourrait estomper avec celui-là. C'est juste comme il est très dense, il n'est pas fait pour estomper. Il faut des choses plus aérées pour estomper. Ça marche mieux. Mais et j'en ai aussi un autre qui fait les petits coins, mais en réalité, je peux faire les petits coins avec celui-là. Il est assez précis pour ça. Mais le petit, il est vraiment génial aussi, donc je l'utilise. Donc ça, voilà, c'est comme pinceau plat, il est vraiment parfait. Alors lui, pour le coup, il est totalement remplaçable, il y en a des milliards d'autres. Il se trouve que j'ai un pot, en fait, j'ai sur ma table à maquillage, j'ai 12 millions de pots à pinceaux, donc. Et puis j'en ai un avec les pinceaux en cours, que j'utilise en ce moment. Et en fait, au bout d'un moment, pour les yeux, il n'y avait plus que ceux-là dedans, tout le temps. Donc j'ai arrêté d'utiliser les autres, quoi. Et ça, faut les laver, ben, quand c'est sur soi-même, qu'on n'a pas de problème aux yeux, aucune infection, rien. Évidemment, si on a une infection, il faut les laver, mais de toute façon, si on a une infection, il ne faut même pas se maquiller les yeux. Mais moi, je les essuie pareil dans un gant de toilette sec, ou humide d'ailleurs, mais sec, c'est mieux, parce que du coup, il n'y a pas d'humidité dans le pinceau, et on est sûr, du coup, il n'y a pas de moisissure, ou je sais pas quoi. Franchement, vu comme je les utilise, je dois les utiliser une fois tous les 15 jours, 3 semaines, je les lave... quand ça me prend, quoi, mais je les lave très peu souvent. Si on les utilise tous les jours, faut les laver au moins toutes les semaines, voire un peu plus, mais en les frottant bien, de toute façon, on enlève le pigment, donc on peut les réutiliser. Dans la mesure où il n'y a pas de gras dedans, bah on peut les... Enfin, la poudre, ça s'altère pas, si vous voulez, donc on peut les laver beaucoup moins souvent. Donc ça, c'est pour poser le pigment, enfin, le fard, pour l'estomper. Ils en ont un qui s'appelle The Crease, qui est aussi fait pour faire le creux, qui est beaucoup plus, voyez, beaucoup plus souple, beaucoup plus long, et qui est assez idéal parce que justement, il s'appelle The Crease, qui veut dire le creux paupière. Il permet effectivement de faire un creux paupière assez précis, parce qu'il est assez pointu et assez... les poils sont assez fermes, mais si on veut juste estomper le bord d'un fard, il est parfait. Parce que malgré tout, c'est quand même un pinceau qui est assez... vous voyez, qui s'étale, si on peut dire. Du coup, pour faire un estompage sur le bord, comme ça,
Ça marche aussi très bien, on peut estomper le dessous aussi avec. Enfin, il est vraiment, il est génial. Ils perdent pas leur forme quand on les lave. Et je les lave exactement comme les autres, hein, je vous dis, avec les mêmes produits. Je les fais sécher à plat au bord d'un meuble comme ça, exactement de la même façon. Donc ces deux-là, pour poser le fard puis l'estomper, sont géniaux. Et si on veut faire des petites zones, il y a le petit dernier qui s'appelle de smudge. Smudge, ça veut dire estomper, mais c'est pas du tout un pinceau estompeur. Moi, je m'en sers, vous voyez, il est minuscule. Il est génial, il est tout petit, très dense. On peut quasiment faire un trait de liner avec ça. Moi, je m'en sers pour faire le coin interne, ici. Vous voyez, un petit coup de lumière dans le coin interne. On peut faire le dessous de l'œil avec, si on veut, parce qu'il est très précis. Mais je vous dis, avec celui-là, ça marche aussi, hein, en vrai. Si on est un peu soigneux, on peut tout à fait. En réalité, si on est soigneux, on peut même faire le dessous de l'œil avec celui-là. Mais disons que si on a envie d'avoir un truc complètement adapté, celui-là est vraiment génial. On peut tout à fait faire un simili liner, c'est-à-dire un coin, un peu une fin d'œil plus foncée. Ça marche très bien avec celui-là. Donc voilà, donc j'utilise que ces trois-là en fait. Tous mes pinceaux MAC, ils sont là dans leur peau à prendre la poussière. Et... Enfin, non, pas tous, parce que j'en ai donné plein du coup, mais... Et enfin, le dernier, qui est sans doute celui que j'utilise le moins souvent, parce que quand je fais un trait de liner, je le fais généralement au crayon, que j'estompe un peu, mais qui est génial. Alors après, c'est pas le seul. Là, pour le coup, celui-là est... Enfin, ces trois-là sont complètement remplaçables. C'est pareil, on a dit des pinceaux plats, des pinceaux estompeurs, il y en a des milliards, donc c'est très remplaçable. Mais j'aime beaucoup ces trois-là. Et celui-ci, c'est pareil, des pinceaux biseautés, il y en a des milliards. J'en ai notamment certains de chez MAC. Celui-là, c'est le 317 Wing Liner de Zoeva. Il est très réussi. Juste la bonne densité, c'est fait pour faire un liner à la crème. Vous savez, les liners qui sont en pot. À la base, ces pinceaux-là sont faits pour ça. Mais si vous voulez vous faire les sourcils avec, vous pouvez tout à fait. Moi, je me fais les sourcils au crayon, donc j'ai pas besoin de pinceau pour mes sourcils. Mais pour faire un trait de liner, effectivement, avec un produit crème, c'est vachement bien. Mais pour le faire aussi avec un produit poudre, moi, mon liner, je le fais généralement soit au crayon, qu'éventuellement j'estompe et je mets du fard à paupières par-dessus, un petit peu par-dessus, pour que ça fasse un estompage général. Soit je le fais à la poudre par-dessus, soit des fards poudre, soit des fards crème. Et dans ce cas-là, ce pinceau est parfaitement adapté. Parce qu'il a une tranche très très fine, du coup ça concentre complètement le pigment, et du coup ça fait une ligne de liner très fin, et le fait qu'il soit biseauté, ça aide pour faire la forme, si vous voulez, pour faire la forme du liner. Ça va complètement au ras des cils, ça fait un travail très précis et très fin, et du coup c'est parfait. Combien de temps ça m'a pris tout ça? Ah, quand même 17 minutes. Voilà, donc c'est les 7 seuls pinceaux que j'utilise, en fait. Et si j'ai besoin de mettre du highlighter, d'abord je ne mets pas de highlighter en général. Ah, si j'ai besoin de mettre du highlighter, je prendrai un pinceau du type de celui-là, comme un gros pinceau estompeur. Il y en a des beaucoup plus gros, vous voyez, des trucs très très souples, très aérés, ou bien un pinceau éventail. Mais globalement, en général, je ne porte pas de highlighter. Là, j'en ai pas, j'ai juste du blush. Là, j'ai du fond de teint, de l'anticerne, de la poudre, du blush, les sourcils, du mascara et du rouge à lèvres. Donc j'ai beaucoup de choses, mais tout ça, enfin, aujourd'hui, j'ai utilisé que ça. Enfin, ceux-là sont propres, donc j'ai utilisé ceux qui sont sales. Mais... Oui, enfin non, celui à poudre, n'est pas propre, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et en fait, quand je pars en voyage, si un jour je repars en voyage, j'emporte cela. Lui, j'emporte pas en voyage parce que j'ai peur de l'abîmer. Puis il est très long, il n'est pas pratique à transporter. En voyage, j'emporte des pinceaux rétractables. Il y a beaucoup de marques en fond. Je vous en linkerai quelques-uns si j'en trouve sur le net. By Terry en fait. C'est vachement pratique parce que du coup, ça fait des trucs hyper compacts. Alors évidemment, c'est pas du tout le même rendu, enfin le même toucher, voire même le même rendu pour la poudre. J'aurais dû en prendre un pour vous montrer, mais là je suis assise par terre, ils sont tous là-bas. Si je me relève, on est foutu. C'est des pinceaux qui se twistent et qui sortent d'un petit étui et qui rentrent, et il y a un capuchon, on le remet dessus, et du coup le truc est protégé, quoi. Donc c'est ça que j'emporte quand je me en voyage, parce que du coup ça peut pas s'abîmer, et malgré tout, c'est moins agréable à utiliser que ça, mais ça marche très bien. Pour deux jours, c'est bon pour mettre de la poudre. Mais sinon, tout cela, ils peuvent voyager sans problème, parce que voilà, d'abord je suis soigneuse, je les mets dans une petite trousse spéciale où il n'y a que les pinceaux, mais même pas d'ailleurs, je vous dis des bêtises, une trousse à maquillage où je mets tout dedans, je les mets dans le fond, pour pas qu'ils soient à moitié comme ça sur d'autres trucs, je les mets dans le fond, je mets les produits par-dessus, ils s'abîment pas du tout. Hein. Et c'est vrai que, notamment ces deux-là, comme ils sont courts et denses, ils peuvent pas s'abîmer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'adore ces pinceaux, vraiment j'adore. Je vais peut-être considérer en acheter un deuxième comme ça. Comme ça, je ne serai pas obligée d'en utiliser, certains que j'aime pas, quand celui-là est en train de sécher. Ha !
Ça aide mon plan de réouverture des boutiques la semaine prochaine. Yes. Et bah écoutez, tenez bon, plus que 3 jours. Et voilà. Passez un bon dimanche. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.